Bonsoir à tous! Bonsoir. Évidemment, on a remis les lunettes parce que voilà, on devient un vieux monsieur. On devient un très vieux monsieur, effectivement. Et, et on a besoin des lunettes. Bah, on est parti pour jouer. Les aventures de Géroulde Nimpardieu. Ah oui, on était en plein camp gobelin. En plus, ça puait là. Hein, c'était le fight et tout là. On est toujours à la recherche d'une taverne pour se rincer. On l'a toujours pas trouvé. Visiblement. On a toujours pas trouvé. Toujours pas de taverne. Je pense qu'on est en train de mourir de soif là. On va bientôt se dessécher, je pense. Mais ça va le faire. J'y roule de rave. J'y roule de. Ah! T'as vu, mais comme demain j'aurai plein d'as. Ouais, j'ai vu ça, Julio. Bah, parfait. Bah, je t'attends demain, Julio, avec grand plaisir. Faudra que je désactive d'ailleurs le. On m'a fait une remarque intéressante. Le jour cycle-nuit dans Cities Skylines qui n'est pas bien. Enfin, qui n'est pas paramétré. Et que, du coup, c'est vrai que la nuit, c'est pas très agréable pour vous. Sachant que la luminosité est pas la même entre ce que je vois moi et ce que vous voyez au niveau du stream. D'ailleurs, sur Rimworld, j'ai vécu le raid le plus rapide de l'histoire. Comment ça? Alors. Allez, chargement. Au combat, vous pouvez également cibler un ennemi en cliquant sur son portrait dans l'ordre d'initiative. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est bien ça, je savais pas. Mais j'ai pas vu l'ordre d'initiative. Il y a un ordre d'initiative, je l'ai pas vu, cet ordre. J'ai joué 2 mois d'affilée sur City. Bah, tu vas avoir plein de conseils. Mais j'ai hâte du 2 là, hein. J'ai vraiment hâte. Hein. Salut YouTube, c'est Bibi, évidemment. On continue les aventures de Baldur's Gate 3 avec Gérald de Nimpardieu, évidemment. On avait, oui, on était désespérément à la recherche d'une taverne, hein, mais pour l'instant on était dans un camp gobelin. N'hésite pas bien sûr à t'abonner, à liker, à commenter cette vidéo, puisque cette vidéo est sponsorisée par l'Empire lui-même, par Napoléon lui-même. Donc voilà, il m'a donné lui-même ses affaires, je suis son digne héritier. Donc n'hésite pas à t'abonner et toi aussi tu feras partie de la lignée de l'Empire, évidemment. Allez sur Discord, sur Twitch, tout ça quoi. Faudrait que je passe un site. Faudrait que je te passe un site, ça a l'air sympa. Qu'est-ce que c'est? Demain, normalement, il devrait y avoir le premier épisode, je pense, Julio, si Chouquette arrive à s'en sortir au niveau du montage. Le petit pont de bois, le petit pont de bois. Mais vous connaissez pas cette chanson, le petit pont de bois, le petit pont de bois. C'était les Guignols de l'info qui avaient fait cette chanson. C'est les Guignols. C'était sur le jeu, sur PC. Ça chantait comme ça, là. En gros, le raid est pareil en ACL. Il a spawn dans un de mes salles où j'étais. Oh, nice. Ça, c'est les aventures qu'on aime sur Rimworld. J'ai trop envie de jouer à Rimworld. Ça y est, il m'a parlé de Rimworld, j'ai envie de jouer à Rimworld. Bon, allez, concentrons-nous. On est sur Baldur's Gate 3 avec notre ami Gérald, le bard de. Voilà. Tribu. Mais elle est belle cette plage. C'est beau, hein, quand même. Hein. C'est très beau. Hein. Comment sort d'ici déjà? Ah oui, menu, je crois, c'est là. Hein. Quitter le camp, voilà. On l'a trouvé. Quoi, Berk? Un truc commu. C'est quoi, Zolta, le truc que tu veux nous montrer? Ça m'intéresse. Ok. Ah oui, d'ailleurs, donc quand on sort du truc, on sort littéralement au même endroit où on avait fini. Bon, parfait. Pourquoi j'entends les tambours alors que j'avais cassé le tambour? Ça, c'est inquiétant, ça. Oh, tellement de viande. Enfin, je prends tous les jours. Ce sera très bien, ça, pour les camps. Ok, niveau santé, on était, bah, du coup, on était à fond, puisque effectivement, on a remporté cette bataille. On va aller dans la direction de nos quêtes, hein. On va pas trop fouiller le camp, hein. On n'a pas besoin de trop s'énerver. Je pense que, voilà, à mon avis, ça. Oula. Ah, ça, c'est pas cool, ça. C'est quoi? C'est pas les symptômes, ça? Entends ma voix, obéis à mes ordres. Oula. La voix est irrésistible. Vous reconnaissez cette autorité écrasante qui vous a permis de faire plier vos interlocuteurs, mais avec une puissance décuplée à l'infini et dirigée contre vous. Ah. Sois fort, Gérald. Votre vision s'embrume et vous retrouvez au milieu d'un décor sombre et morne, le néant à perte de vue. Non mais il est rebou. Il a l'habitude de cet état-là. Soudain, trois silhouettes se dressent devant vous. Un elfe en armure, figure d'autorité et de pouvoir. Un séduisant jeune homme au sourire avenant, et une jeune femme au teint pâle, et aux yeux bleus plus clairs encore. Tu peux essayer de faire voler ton perso? Comment ça? Non mais là, il a fumé, là.
Ils sont mes élus. Ils parlent en mon nom. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries là? On a un bad trip. Aide-les dans leur quête du prisme et tu auras mérité ta place à leur côté. En mon auguste présence. Oh là là. Aide-les. Non, je viens de le dire. Moi aussi, je suis rebou. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est une méchante. Qu'est-ce qu'elle fait? Wow, 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 wow. Vous sentez l'énergie émanant de l'artefact. Chassant votre douleur et repoussant la voix. Ah non, elle nous aide. Mon pouvoir grandit. Mes forces se rassemblent. Le jour du jugement est proche. Ah, elle nous a sauvé la life. Oh là là. Bon, tu vas cracher ta pastille là maintenant. Qu'est-ce que tu viens de faire? Magie pour Gérald. Ne me regarde pas comme ça. J'ignore totalement ce qui vient de se passer, tout comme vous. Nous devrions reprendre notre route. Ouais, sous notre gueule là. La voix s'est tue. Réduite au silence par cette relique, Git. Que fait une demi-elfe en position d'un objet pareil? Alors. Vous allez devoir commencer par vous expliquer. Quel est donc cet objet? La vision de cette voix? Qu'est-ce que c'était, ce pouvoir? Et là, qu'est-ce que ressentent nos interlocuteurs quand nous utilisons le parasite sur eux? Cette babiole, elle est importante, gardez-la précieusement. Est-ce qu'on fait genre, on lui pose pas de questions, garde-la et tout va bien? Ou est-ce qu'on la passe à tabac? Moi, je pense qu'on veut savoir quand même. Je ne sais pas. Pas exactement en tout cas. Tout ce que je sais, c'est qu'il est important et que je dois le ramener à la porte de Baldur. Quoi qu'il en coûte. Ah, le quoi qu'il en coûte, on connaît ça. Ça nous a arnaqué, ça, avec le quoi qu'il en coûte. Pourquoi la porte de Baldur? Qu'est-ce que vous me cachez? Vous ne dites pas toute la vérité, faites un effort. Ne me laissez pas dans l'ignorance. Non, le quoi qu'il en coûte, on connaît ça. Je suis une servante de Char. Et j'habite dans un cloître secret. À la porte de Baldur. Je dois ramener cet artefact là-bas, quoi qu'il en coûte. Ça fait deux fois que tu le dis, ça. Hein. Je ne peux rien vous dire de plus. Cette mission requérait le plus grand secret à tel point que nous avons dû subir l'effacement d'une partie de notre mémoire. De crainte que nous puissions trahir la confiance de Char. Mais c'est horrible. Si je parviens à retrouver mon contact en ville, mes souvenirs me seront rendus. En attendant, je ne peux protéger l'artefact au péril de ma vie. Oh là là! On va t'aider. Voilà, vous connaissez maintenant toute la vérité. Pour ce que ça vaut, reprenons notre route. Vous venez à Char. Voilà qui, pour le moins contrariant, ma bien-aimée Mistra et elle ne sont pas vraiment amies. Vous m'avez menti, combien de temps comptez-vous garder le secret? Bon, c'est legit qu'elle a menti. Vous pouvez prier qui voulez, je m'en moque, parlez-moi de l'artefact. Je n'ai jamais accepté d'unir mes forces avec une adoratrice de Char. Votre foi ne regarde que vous. Merci pour votre honnêteté. Inutile de me remercier, je n'avais guère le choix, la situation devenait trop compliquée. Bah, je pense qu'elle a l'air tourmentée, cette nana. Est-ce que maintenant qu'on lui a dit tout va bien, elle veut nous parler un peu de l'artefact? Je ne peux rien vous dire de plus. Tout ce que je me souviens, c'est que je vais retrouver mon contact en ville. Ah. Je reconnais ces symboles. Des runes gigantesques, aussi anciennes que... ouais, trop compliqué les noms. Vous avez volé cet objet à mon peuple. Mais elle est vénère tout le temps, en fait. Oui, mes congénères sont morts en grand nombre pour y parvenir. Je ne les décevrai pas. Encore moins après avoir vu ce que les vôtres leur font subir. Ouh là là, mais ils sont tous vénères tout le temps entre les autres. Ils ne peuvent pas s'aimer. Vous allez vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Les trois personnages de la vision, ses élus, sont également à sa recherche. Avec l'aide des cultistes, ils auront tôt fait de la trouver et par la même occasion de vous trouver vous. Toutefois, vous avez réussi à l'échapper jusqu'à présent et il semblerait que vous deviez à cet artefact. Reste à savoir combien de temps encore vous pourrez compter sur sa protection. Mais je me demande si, à mon avis, c'est scripté. Je pense que si on la sauve pas, nul doute que les... Blablabla. Bref, la situation se complique et vous ne savez même pas à quoi vous avez affaire. Assez, vous deux, vous devons vous entraider. Gardez cette chose dans le sûr, je sens que nous allons en avoir besoin. Donnez-moi l'artefact, il vaut mieux que je veille sur lui personnellement. Non, on va dire la deuxième. Je la protégerai au péril de ma vie. Faites-moi confiance, remettez-nous en route. Ouais, ouais. Ok. Bon, parfait.
C'est la teuf là. Hein. Oh. On dirait qu'ils ont capturé un barde. Ah, c'est un pote à nous. Ah, mais du coup, du coup, ils sont pas méchants là. Ok, bon, on va passer. Hein. Oh. Il faut retrouver Aslan avant qu'il ne soit trop tard. Ouais, je pense, ouais. Pas aller dedans. Dedans, pas marrant. Ah oui, non, mais moi, je veux y aller, moi. Ouais, mais je veux y aller quand même. Il y a la musique ici. Et danse. Vous aussi dansez. Ah bah, ça tombe bien. Parce que c'est ma spécialité. Oh, où t'es poule? Mais c'est qui? C'est Kadok, lui? Représentation réussie. Ah, il a aimé? Ah, ils viennent! Bataille du temps. Allez! What? Mais il me donne des pièces! What the fuck? Est-ce que ça t'a plu? Bien la musique ici. Et danse, vous aussi dansez. Ah. Attendez. Est-ce qu'on a pas un truc pour danser là? Se cacher, sauter, plonger, bousculer. On peut pas danser. Est-ce que si je fais Ah par contre il s'est passé un truc avec lui là. Qu'est-ce que vous en dites? Ce Falzheim va bien, non? Ouais. Ouais, il vous scie à merveille, évidemment. La grande classe, pas vrai? Je l'ai fauché au nain qu'on est en train de retirer. Quoi? Oh, merde. Vous mangez souvent du nain? Le nain n'avait rien sur lui, à part un pantalon, je veux dire. Vous parlez d'un frère nain, un peu de respect. Vous mangez souvent du nain? C'est de la bonne bidoche. Mais pas facile à trouver. Meilleur que la poule, en tout cas. Ah oui, d'accord. Il va me bouffer. Rien dans son falzar, sauf quelques pièces et un poème minable. Ok. J'aime beaucoup la poésie, vous pouvez me montrer. Je vais juste vous délester des pièces, dans ce cas. On se casse. Trouvez le chef du camp des gobelins. Ah putain, mais il est en train de bouffer un nain. Oh, jambe de nain rôti. Ah ouais, d'accord, mais c'est vraiment un vrai nain. Est-ce que... Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? De quoi, ce jeu, c'est Baldur's Gate 3, Julio. Il vient tout juste de sortir. Ah, je vais pas bouffer, c'est comme si je bouffais de l'humain, quoi. Qu'est-ce qu'il raconte, là? Ok. Mais encore. Ah oui, je vais improviser la suite, évidemment. Ah, évidemment. On va aller l'aider un peu. Oh! Ça passe pas? Ah si, ça passe. Oh là là, heureusement que je suis moi. Hein. Heureusement que je suis moi quand même. Hein. Continue, pigeon. Ah. And if you saw him kill manlings, you'd have to yell. Ah mais il est trop fumé notre perso de toute façon. Ok. Ah, je crois qu'elle a pas aimé. Vas-y, on va continuer à essayer de l'aider, hein. Ah mais là, c'est de pire en pire ce que tu racontes, là. Ok, c'est bon, c'est good. Ah mais là, c'est une réussite critique, là. L'être le plus grassouillet que j'ai vu aujourd'hui. Oulala, mais tu nous aides pas, hein. Tu vas te faire bouffer, toi. Oh, l'étranger, vous avez fait quoi, mon pigeon? Il raconte qu'importe quoi, maintenant. Calme-toi. Let's continue our ballad.
Oulala, oulala. Comment je sens qu'il va se faire défoncer. Vous voyez la hache partir dans sa tête là ou pas? Vous me l'avez cassé. Mais non, mais je voulais t'aider, moi. Regardez, on fait une chanson. Oh, il s'est fait défoncer. Comment ça, j'ai fait un test, un échec critique? Regardez, regardez comme il est beau. Ah, il kiffe, hein. Ah, donnez-moi des pièces, là, comme tout à l'heure. Ah, ça y est, ils veulent plus. Attendez, je refais une chanson. Un peu d'émotion. Non. Ok, bon. Ils en ont rien à foutre. Tout ça, ça m'aide pas, hein. Tout ça, ça m'aide pas. C'est peut-être lui, le chef. Il est bien une tête de chef, lui. Je suis pas payé pour jacter. Ah non, lui, il est là pour casser des culs, lui. Bon, et qui a une tête de chef, là? Est-ce que ça serait pas la meuf, là? Ah non. C'est pas à toi que je voulais parler. Ah ça, c'est à toi. Eh. Ah, des questions que je parte en raide. Ça se voit pas que je suis occupé à boire, là? Tant mieux pour vous, allez, cul sec. Allez. Allez, cul sec. Ouais, à la santé de l'absolu. Voilà, c'est ça qu'on veut. Nous aussi, on veut boire. On peut pas boire? Est-ce que je peux boire? Vous venez de faire arrêter pour vol. Quoi? Mais non, mais... 50? Non, mais je... Obtempérer, suivre. Ou attaquer. Non, on va. Ah, oh, putain. Mais ouais, je voulais juste boire un cul. Oh, fuck. Oh, je me retrouve en prison. Réellement? Ça pour une bouteille de vin? Comment je sors de là, moi? Merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai juste voulu... boire un coup, quoi. Et ils ont cru que j'ai voulu voler le vin. Coffre d'équipement. Lourde pierre. Comment je fais? Impossible d'atteindre la destination. Est-ce que je peux jeter mon caillou? Est-ce que je peux casser la porte? Non. Ah, la prochaine chose à être cassée pourrait bien être quelqu'un de vos os. Ok. Ils veulent pas de mon or, hein, visiblement. Comment je peux sortir de là? Ah, mais c'est... Ah. Inspecter le cadavre. Quoi? Ah. Mais je suis tellement dans la merde. Ours des cavernes? Mais jamais je m'en sors. Oui, il a de points de vie 15.
Raté. Faut que j'aille récupérer mon... Mais c'est fermé! Non mais... Mais comment vous voulez... Vous voulez que je m'en sorte là? Mais je vais mourir en fait. Oulala, oulala! Mais jamais je m'en sors de cette dinguerie là. Ils sont 20 000. Est-ce qu'on aurait pas fait une connerie? Oh! Alors peut-être. Ah bah d'accord. Mais du coup c'est un copain? Mais il va les défoncer? Faut que je le 1v1. Ouah, 11. Qu'est-ce qu'ils font là? Ok. Fourir. Pendant 10 tours. C'est raté. Je vais mourir. Adieu.